Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Carpocalypse live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! J'ai oublié d'aller dehors, c'est vrai. Dommage pour ton ami Jess. Salut Tiffany. Ce jeu est tellement compliqué. Si tu veux m'affronter, j'ai mes propres règles. Pas de chance. Dehors de la carte mortelle, je défends dans. Je ne sais pas ce qui m'effraie le plus, les menaces constantes de l'enlèvement extraterrestre ou le levrier irlandais du vieux Peter. L'enlèvement extraterrestre. Il t'enlève dans la rue, Jess, je relie le cerveau et coupe des morceaux de ton corps. Il te renvoie avec une histoire que personne ne croirait. Ils ricanent et grondent tout le long avec leur langue de chien. J'ai lu avec ça dans l'hebdo des enquêtes paranormales. Il y a des milliers d'années, les extraterrestres ont placé des chiens sur la Terre pour espionner les humains. On pensait qu'ils passeraient moins de temps à courir après leur queue car ils avaient du travail important à faire. Ce n'est qu'une ruse, Jess. On doit le voir ensemble. Fais-moi confiance, les chiens sont avec les ennemis. Je les roue. Regarde le chrome. La mauvaise, vrai? C'est assez rusé. J'ai entendu dire que tu as donné un coup de à Bruce sous la mâchoire il y en a quelques jours. Ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai entendu dire que tu lui avais arraché une dent aussi. Et les dents sont en faible quantité ici. D'accord, eh bien, charmant de te rencontrer, mais je dois retrouver mon ami alors. Ouais, petit ralenti, on a un truc que tu peux faire pendant que tu cherches ton ami. Stéphane et Gordy ont des cartes très rares de PowerPet comme un chicaka. Les plus vieux jouent à PowerPet. Ils aiment échanger. Selon la rumeur, ils veulent vraiment échanger un de ces disques. La marque Baiko, on ne peut pas le trouver à Westerdale. Mais on ne peut pas leur parler nous-mêmes. Jess en est des 10. Tout a commencé? Vrai, les gamins 10 d'Osdale sont les meilleurs. T'as bien raison. C'est bien de voir que tu es de notre bord. Elle est parfaite pour notre tâche. Ouais, je pense que tu peux t'en occuper. Voici le 10 simple et facile. Tu fais l'échange et tu me rapportes la carte Chicaka. Qu'est-ce qui m'empêche de garder la carte? Je te fais confiance. On devrait peut-être demander à quelqu'un d'autre après tout. Non, je pense qu'on a trouvé notre intermédiaire. Je me suis mouillé pour toi. Ne me laisse pas tomber, Jess, d'accord?
C'est dur ça, mais c'est vérité ou action. Tiens, une carte pour toi. Et nous avons une dernière ronde à faire. Action en vérité. Choisis la vérité. Facile, pas question, c'est la dernière. C'est mon choix. Donc, c'est mon jeu. Ok, d'accord, action. Je me mets au défi de gagner un jeu de Power Pet contre moi. Mais bon, c'est tout. Pas de problème, facile. Une chose que j'oubliais. Tu dois utiliser mes cartes et moi, les tiennes. Mes cartes sont géniales et les tiennes, je ne sais vraiment pas génial. Et tu ne gagnes pas, tu devrais dire à tout le monde que je suis meilleur que toi. Vraiment, très bien, allons-y. Et voilà. Night.
Ah, mon dieu. Ok. Eh oui! Victoire! J'en crois pas mes yeux. Moi, j'y crois. Enfin, j'ai toujours cru en moi. Comment est-ce possible? Mon jeu devrait être terrible. Il n'a toujours pas réussi à me battre, alors... Où est ma récompense? Ouais, ouais, voici, prends-la. Mais, merci d'avoir joué à Action Vérité. Pas de soucis. J'ai rendu à Doxdale un peu plus excitant. Jacob a été vu en dernier dans la remise. Reviens à Owen. Demain. Pas encore pour tenir plus de collation. Truc de papou. Changer avec Joe pour obtenir un plus moins crayon. Tant que les enfants commencent à jouer partout dans l'école, je savais que la direction ne pouvait pas nous en empêcher. Je pense que tu peux me battre même en subissant toujours plus de dommages chaque tour. J'ai ça de faire de même.
N'importe quoi, ça. J'ai entendu dire que les parents de Jacob l'ont renvoyé quand il était avec un méchant garçon. Tu veux acheter mon art, je l'appelle École couverte de glu. C'est fait à la maison, il n'y a pas deux comme ça. Tu as tracé ta main et la colorée mauve pour qu'elle ressemble à la glu? Ouais, à la main. Les cartes de Jacob. Ils ont de la glu. Alors il a enquêté sur la glu. Peut-être que quelqu'un l'a vu, il a échappé ses cartes puis il s'est sauvé en courant. Ouais, certains sont toutes déchirées. Qui ferait ça? Attends, je peux peut-être faire quelque chose de ces pièces. Aucun d'entre eux ne croirait que j'ai déchiré les bonnes cartes Power Pet. Même pour en faire une nouvelle. Merci Jacob, tu es parti mais tu m'aides quand même. Alors Edgar avait raison, Jacob n'est pas ici, où pourrait-il aller? La voici directrice Harding. Très bien, Monsieur Darkoff, Mademoiselle Carter, suivez-moi au cafétéria immédiatement. Wow. Je sais pour vrai. Vous avez été entraîné ici, pourquoi? Aucune idée. Ce sont les étudiants que vous avez vus détruire la cafétéria? Oui, directrice Harding. C'était Jess et ses amis étranges. Quoi? Eh bien, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Nous n'avons pas fait ça, le mood système nous campait contre nous. Comment savez-vous que Bruce n'a pas détruit la cafétéria? Vous ne pouvez rien prouver. Toi non plus. Vous êtes tous en retenue demain pendant le dîner. Vous nettoyez les dégâts que vous avez faits. Ah, vous le méritez, perdant. Vous aussi, Monsieur Darkoff. Quoi, vous allez m'envoyer en retenue, moi, pourquoi? Vous avez observé 4 étudiants détruire les biens de l'école et n'avez avisé les profs qu'après avoir... après qu'ils ont fini? Désolé que ça... Que disais-tu, monsieur le plus faible, nous le méritant? C'est comme la film de karaté, le plus faible, le plus fort, le plus faible. Je ferais mieux de pouvoir manger sur ce plancher demain. Le concierge devrait nettoyer, c'est son travail. Il n'a pas besoin d'apprendre une leçon.
Plus un afflux soudain de tâches d'entretien dans l'école, il est trop occupé pour nettoyer ses dégâts. La directrice va-t-elle vraiment manger sur le plancher? Beurre. Je ne peux pas croire que je suis pris pour nettoyer ces dégâts avec vous autres débiles. Si tu m'avais raconté des mensonges sur nous, n'aurais pas eu de problème du tout. Eh bien, c'est juste parfait. Sam. Oh Jess. Oh. Tu nous as menti, tu nous as dit à tous les deux que nous sommes la plus jolie. Pas de nous nos cas. Bon. Comment as-tu pu? Vous me rendez tous les deux dingues. Comment oses-tu? Au moins, on n'est pas les enfants les plus grossis de l'école. Et Mindy, tu veux aller colorer nos armes avec des marqueurs? Amusant. Au moins, elles ne sont pas amies maintenant. C'est au pire. Fais-tu quelque chose après l'école? À part creuser un trou dans le sol et me cacher dedans, mes parents nous sont toujours... Non. Même chose. Tu peux venir si tu veux. Vraiment, laisse-moi y penser. You, Corey, tabarnak. J'aimerais vraiment que Jacob, j'ai toujours voulu lui parler, mais j'étais trop timide. Bon, pas de chance. Je voulais débarrasser de cette glu dégueu. Je sais que dans l'émission, les neutres sont des animaux mutants qu'aucune faction ne voulait, mais je pense quand même qu'un chat sans peau est très cool. J'espère que si j'ai perdu ma peau, quelqu'un voudrait encore de moi. Hey, la nouvelle! T'as pas celle qui a fait bannir ce jeu d'enfant? Je ne veux pas en parler.
Alors, ce fauteuil n'a pas de système d'engrenage, hein? C'est exact. Alors, ça doit être pas mal dur de monter des côtes. Ouais, mais ça vaut la peine pour se rendre sans problème à l'autre côté. Je parie. Alors, que fais-tu ici, au fin fond de West Dusdale? Juste 10 de freins de Bike que vous voulez et je sais que vous avez une carte PowerPet que je cherche. Nous, jouer à PowerPet? Non, non, monsieur, on ne jouera jamais. C'est trop, c'est douteux, Stéphane. Godet a raison, comment pouvons-nous avoir confiance en toi? La confiance et le respect vont le pair, comme le beurre d'arachide et les confitures. Pourquoi pas une partie de PowerPet si je gagne, vous devez me faire confiance. Ça fait du sens. D'accord. Voyons voir comment tu t'y prends. On est capable, il y a juste deux. Tout le monde est défense, ça met dans la merde. Tape de carte. Lui. 6.
Victoire! Et voilà comment on joue. T'as vraiment du talent, merci. Tu es correct, petite, et je veux vraiment des 10 de frein. Faisons un échange. Reviens en tête, meurtrice Dead Side. Continue. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu. Carpocalypse, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!